Vous a plu parce que j'y ai mis du temps et de l'amour aussi, parce qu'il faut des deux, ça marche bien souvent. Donc comme vous voyez, j'ai un tout nouveau camion qui va vous plaire. C'est un Peterbilt 630 Long Space, il me semble, si je ne me trompe pas. Attendez, on va voir ça tout de suite. Ah non, c'est 379 Active Super Space. J'étais pas loin. Il y a un truc en fait que je me rappelais bien, c'est que c'était un Peterbilt et qu'il y avait Space aussi dedans. Mais bon, donc on va continuer, on va aller jusqu'à Lille. Non, Calais. Il me semble qu'on va jusqu'à Calais. Si je ne me trompe point. Oui, on va jusqu'à Calais. Donc, c'est une ville encore que je n'ai pas encore visitée. Donc, ce mode fait partie du pack, en gros, American Truck, qui est, je crois, sur je sais plus quel site. Il fait partie, en gros, il y a un pack de camions avec un T800, et il y en a d'autres, il y a ce Peterbilt, le W600 que je vous ai présenté la semaine dernière, et encore plusieurs que je vous présenterai plus tard, mais qui sont dedans quand même. Donc voilà. Là c'est en fait ce qui m'énerve dans ces camions, il y a déjà le premier défaut que je remarque, c'est que voilà, on a un rétro qu'on voit pas et qui est un peu une perte. Après, en termes texture, c'est vraiment très joli, très bien fait. À part que le tableau de bord, voilà, on n'a pas un aspect, on va dire, 3D, relief et tout. On a plutôt un aspect comment dire. Voilà, on dirait qu'on est en train de je sais pas quoi faire. Donc voilà, après il est plus ou moins bien personnalisable ce camion. C'est j'adore ça. Par contre, voilà, on peut choisir le logo qu'on veut devant. Soit on peut prendre, je crois, un canard, une petite plaque pour le soleil, je crois, ou un truc comme ça. Et deux, trois autres petits trucs. On a le choix de mettre les petits rétroviseurs que vous avez devant. L'intérieur, j'ai pas regardé, c'est vrai que je regarde pas souvent les personnalisations de l'intérieur, vu que souvent, en tout cas dans les trucs de base, l'intérieur, bah, on s'en préoccupe même pas. Donc c'est vrai que voilà, après bon, je regarde comme ça souvent, mais là comme ça, voilà, il est joli. Et voilà, le seul défaut véritable que j'aurais à dire sur ce camion, c'est les aspects texture quand même de l'intérieur, qui sont quand même un peu plates. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de, voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas, je sais pas. Sinon c'est très joli. Après c'est vraiment bien fait, je sais pas si c'est comme ça dans le vrai Peterbilt ou pas. Donc on a quand même un sacré camion, parce que il fait 600 chevaux. Et donc on a le choix, ça va de 320 je crois, jusqu'à 600. Si je me trompe pas, 320, je vous dis ça, mais j'en suis pas sûr. Il me semble que c'est dans les 300, je suis pas sûr du chiffre exact. Après, on a plusieurs boîtes de vitesse. On a des boîtes, je crois, de la boîte classique qu'on a sur
sur le jeu, à une boîte je crois 18 vitesses, donc plutôt assez intéressant. Il se trouve, il me semble, dans Iveco, dans la concession Iveco. Comme je vous avais pas dit la dernière fois, il me semble que c'était DAF, celui du W600. Il est chez DAF. Si vous le cherchez, ben vous l'avez installé et tout, il est chez DAF. Vous pouvez l'acheter chez DAF. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire. Après, bon, bah voilà. Après celui-là, il est très très bien. C'est un très bon mode. Franchement, ce pack, je suis pas déçu de l'avoir acheté. Téléchargé, parce qu'il s'achète. Enfin, il s'achète peut-être, mais si vous l'achetez, c'est que vous vous êtes fait escroquer, parce que moi, je l'ai eu gratos. Donc, voilà. Après, si je l'ai téléchargé, c'est parce que, voilà. En gros, normalement, d'après ce que j'ai entendu, peut-être que American Truck, le vrai, sortirait au mois de juin. Donc, non, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais bon, après... D'après ce qu'on m'a dit, ce serait une source qui. Ça viendrait d'une de ces sources qui serait ASS Software. Donc j'espère que c'est vrai, que ça vient au mois de juin, ça pourrait être pas mal, un petit American Truck, même si on arrive à faire un truc vraiment déjà pas mal sur Euro Truck 2. C'est vrai que s'il y aurait plus de précision, un peu plus de difficulté, on va dire, parce que à part la conduite. Il n'y a pas beaucoup de difficultés sur ce jeu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, je trouve quand même que je conduis plutôt pas mal. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est un peu long. Vous avancez là. On n'est pas... Donc ça avance un peu, mais pas rapidement. Bon, on n'est pas sur une autoroute. J'ai envie de les doubler, mais bon. Donc on va dire que quand même... C'est un camion qui est déjà plus personnalisable que certains autres que j'ai eu avant. Comment ça s'appelle? Tous les véhicules, voitures, ou camionnettes, ou tout ça, c'est bien plus personnalisable que cela, parce que vraiment, il y a vraiment pas mal de choix. On peut pas mettre de feu au niveau de la calandre, mais on peut faire de spot, on va dire, c'est même pas des feux, c'est des spots. Et c'est ça, ça s'appelle comme ça, c'est des spots. Au niveau de la calandre, par contre, on peut en mettre sur le toit. Par contre, on n'a qu'un seul choix pour la barre. Vraiment assez personnalisable, j'ai pas dit à fond. L'intérieur, j'ai pas regardé, comme je vous dis, donc je sais pas s'il est personnalisable ou pas. C'est vraiment le seul petit défaut que je vous dis que je sais pas. Que j'ai pour l'instant que j'ai pas vu. J'ai pas regardé l'intérieur. Je pense qu'il doit être quand même un petit peu personnalisable. Et ils ont dû mettre des trucs par défaut. Parce que comme vous voyez, on a des rubans. En gros, je sais pas comment on peut appeler ça. On a vraiment pas mal de choses. Je vous montrerai l'extérieur du camion quand on sera arrivé. Ce camion, quand même, il est joli. Je le trouve joli, il est sympa. Il a vraiment du caractère, du répondant. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous avez qu'à le télécharger, il est super bien. Donc c'est un Peterbilt 379. Vous regardez le début, mais je crois que c'est ça. Ou 360. Si, c'est ça, je crois. 379. Mais bon, donc voilà. Et il est très 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 bien. À part peut-être un peu les textures de l'intérieur qui sont un peu... qui manquent un petit peu de perspective. Je vous dis clairement, il est très très joli. Il manque de pas grand chose, juste d'un chauffeur, pas d'un chauffard. Mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'un chauffard, donc on fait avec. Sinon, il est très bien. J'ai pas beaucoup conduit avec parce que, comme je vous dis, j'ai pas cherché midi à 14h non plus. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé, je l'ai mis en place et tout. Et puis là, je viens juste de l'acheter dans la concession et tout. Donc voilà, bon c'est vrai que là je respecte pas trop le code de la route et tout, mais bon si je vais faire une vidéo plus ou moins courte, il me faut un truc plus ou moins intéressant. Donc voilà, après moi franchement je vous dis clairement ce jeu, il est toujours bien, il a encore des nouveautés qui peuvent être intéressantes,
D'après ce que j'ai lu, ils vont mettre peut-être une nouvelle mise à jour pour comme vous savez, je l'ai testé déjà, le Actros MP4. Ils vont, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas lu en fait l'article, mais d'après ce que j'ai vu, ils parlaient du Mercedes 2014, à moins qu'ils ont comment on dit, acquis une. À moins qu'ils aient acquis la licence pour mettre Mercedes, mais je pense pas, donc c'est possible. Après, ils ont peut-être acquis la licence et ils mettent aussi l'Actros MP4. Normalement, il sera intégré au jeu. D'après ce que j'ai compris, après, j'en suis pas forcément sûr. En gros, j'ai vu un logo où il y avait marqué dessus Mercedes-Benz 2014. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas lu l'article. Et puis, même si je l'aurais lu, j'aurais rien compris à ce qui marque parce que je suis pas. Je parle très mal l'anglais. Moi et l'anglais, ça fait 4 et encore. Parce que franchement, moi je parle pas l'anglais. Là, je le comprends, on va dire, un peu mieux à l'oral qu'à l'écrit. Mais je suis pas. Non. Moi et l'anglais, je vous dis clairement, je n'aime pas ça et il me le rend bien. Donc voilà. Après, putain, je voulais dépasser, mais il y a quelqu'un en face. Donc voilà, sinon après, c'est vrai que moi je le trouve très joli ce camion là, l'Actros MP4. Après, oh putain, il y a un virage. Oh putain, il y a un virage. Oh putain, il y a. Excusez-moi. Voilà, on va essayer de pas se cracher là-dessus. Essayons de faire pour qu'il n'y ait aucun blessé, autant moi que les autres, parce que c'est vrai que c'est assez mal vu d'être blessé ou pas. C'est vrai que moi ça m'énerve un peu de rouler au pas, on va dire. Je préfère rouler vite et puis pas être en retard, parce que ça arrive des fois. Là il y a quoi, un bouchon? Ah non, c'est un Camtar. Si elle se peut, c'est un Scania Stax que je vous ai présenté il y a quelques temps. Franchement, je le trouve plutôt bien, même à manier, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence en fait avec les autres, parce que les autres, voilà, en gros, je vois. Il est peut-être un petit peu plus souple quand même, je trouve. Un peu plus souple, un peu plus stable aussi, mais je pense que c'est parce que comment ça s'appelle, la cabine est plus longue que sur les autres. Les autres sont plus. Comment dire, voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais en gros. Oui, il y a plus de longueur de cabine que dans les autres camions. Oh putain, il y a une voiture qui vient en face. Faites chier, avancez un peu. Non, je crois pas que ce soit un Scania Stax. Je sais pas. Je sais pas trop. Je verrai tout à l'heure. Mais je pense que c'est possible que ce soit ça. Donc on va doubler. Non, c'est pas un Scania Stax. Le Scania Stax est plus caricaturé, on va dire, que les autres. Non, c'est un Peter Bilt. C'est le même que le mien, je crois. Donc voilà. Après, je savais pas encore à la base ce que j'allais faire comme jeu cette semaine. Comme jeu, comme camion. Voilà, je savais que j'allais produire un camion américain, vu que en ce moment c'est ce que je fais. J'aime bien. Vive à l'Amérique. Mais bon, là, j'ai fait un peu de mélange d'espagnol, de français, peut-être un petit peu, on ne sait pas trop, ouais, c'est un peu ça. Italien peut-être aussi, voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que voilà, ces camions en fait, ils sont très très bien. Les camions américains, je pense que c'est ceux qui sont les mieux faits. Je sais pas pourquoi, mais c'est ceux qui ont le plus de charisme, on va dire, parce que dans le jeu en tout cas, parce que comme je vous ai présenté par exemple la dernière fois. Le Ural, je le trouvais moche. En fait, le seul camion qui ne soit pas américain et qui soit plus ou moins joli, c'est comment il s'appelle? Scania Stax, voilà. C'est le seul qui soit pas américain, avec un nez, hein, je parle, et que je trouve plus ou moins intéressant, on va dire. À sa façon, il est intéressant. On voit pas une coupure nette en fait entre
le nez et le reste. Non, c'est bon. Et le reste de la cabine, c'est ça que j'aime bien voir dans les jeux, dans les camions. C'est que par exemple, qu'on ne voyait pas, par exemple, le Scania T que je vous ai présenté, c'est un défaut aussi qu'il avait. C'est que on voyait que en gros le nez c'était on aurait dit un Scania normal mais juste avec un nez qui avait été rajouté bon, en gros voilà un Scania R avec un petit nez rajouté dessus qui fait qui fait voilà qui fait ce qu'il a à faire mais on n'aurait pas dit voilà qu'il y avait quelque chose en plus il y avait pas il y avait un jeu énorme entre le nez et le reste du camion. Pour moi, ça me semblait un peu bizarre, mais en restant tout à fait sympathique quand même à conduire. Voilà. Très personnalisable, ça c'est un avantage aussi du Scania T. Mais voilà, voilà, c'est pas le top non plus. C'est pas l'un des meilleurs camions. Je pense que. Je sais pas quel est. Je pourrais pas dire quel est. Mon camion préféré, c'est vrai que le Scania T était bien parce qu'il est joli dans le fond, même s'il y a un écart entre le T, le nez et le reste. Après, le Ural que je vous ai présenté il y a 2 semaines, je l'aime bien, mais sans plus, on va dire, je l'aime bien, mais le nez est beaucoup trop. Trop exagéré pour un camion de ce genre. En gros, il faudrait un nez un petit peu plus court, à moins qu'il soit comme ça en vrai, mais je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un camion qui fasse 3 mètres de nez pour 2 mètres de cabine, quoi, ou pour 1 mètre de cabine plutôt. C'est une échelle, hein. Après, ça peut être 2 fois ou 3 fois plus gros, chose qui m'étonnerait même pas, mais. Voilà, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment l'impression que c'est tout petit. La cabine est trop petite, trop courte par rapport au nez. Il y a vraiment. Mais je sais pas si c'est comme ça en vrai, mais si c'est comme ça, quand même, il y a un petit souci d'échelle. Parce que, quand même, quand on voit, il y a un souci. Bon, je comprends, parce que ça, je crois que c'est ukrainien ou russe, ou peut-être un autre truc dans le genre-là. Je sais plus trop où c'est. D'où ça vient. Non, c'est pas je sais plus. Je sais plus du tout, franchement, je vous dis ça, mais je sais plus du tout d'où ça vient. Je sais que c'est asiatique, mais on va dire asiatique, hein, Euro-Asie, on va dire, l'Euro-Asie. Mais je sais pas vraiment de quel pays ça vient. Je pense à peu près savoir où se situent les bases, on va dire, dans le régime soviétique. Ça doit venir de là, Ural, ou peut-être la Slovaquie, des trucs comme ça, voilà. Vous voyez, de l'ancienne, voilà, dans l'ancien régime soviétique, il me semble que ça vient de là. Oh putain, la salope. Excusez-moi. voilà, en gros, je papote un peu, et c'est pas top. Donc voilà, après aussi, il y a un truc que j'aime bien sur ce camion. C'est l'effet de fumée que vous voyez peut-être dans le petit rétro à droite. Il y a un petit effet de fumée en haut du rétroviseur qui est pas mal, mais bon, ça, je pense que la fumée est répétitif et puis il n'y a pas de réelle animation, on va dire. En gros, il n'y a pas plus ou moins de fumée selon comment tu accélères, selon comment tu tournes, selon. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, bah faut vous acheter un cerveau. Non, peut-être pas même. Je vais pas vous insulter, mais bon, c'était une vanne pourrie, voilà. Donc bon, ce Peterbilt s'en sort plutôt bien. Il se conduit plutôt bien. Peut-être que je le prendrai pour l'Odyssée finalement. Je pensais en prendre un autre, mais il s'en sort plus ou moins bien. Il y a des travaux. Aïe aïe aïe. Il y a des travaux sur la route. Combien de temps il reste? Oh, mais on est déjà arrivé. Ah, c'est bien ça, c'est petit. Donc voilà, après, c'est vrai que ça fait que 20 minutes quand même. Hein. Franchement, on a bien roulé, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
de ce que vous en pensez de ça là, d'avoir bon là j'ai envie de tout dépasser et de passer quand même, mais bon. Ce que vous en pensez, franchement là c'est vrai que je fais des courtes vidéos qui me paraissent plus ou moins bien, plus ou moins courtes et tout. Pardon, putain, feu de merde. Vous voyez ce que je veux dire, en gros mes vidéos je les trouve plus ou moins courtes. Là il nous reste plus qu'une heure dans le jeu, on a déjà presque passé deux heures dans le jeu en 20 minutes. D'habitude je vais deux fois moins vite que ça et tout. Donc est-ce que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un PC plus puissant que le mien, parce que je pourrais faire des trucs trois fois plus vite et tout. Ouais. Là, normalement, d'ailleurs, demain, je devrais avoir Mister Fibre qui vient. Donc ça veut dire que demain, normalement, j'ai la fibre qui arrive dans mon salon. Voilà. C'était juste pour vous dire ça, parce que c'est vrai que ça me fait... Waouh, je suis... super content, parce que là c'est vrai que depuis que j'ai pris mon nouveau logiciel, donc comment il s'appelle, Adobe Premiere Pro, c'est un très bon logiciel, on peut faire pas mal de choses, un peu plus intéressant quand même que Camtasia, même si Camtasia est un très bon logiciel aussi, on peut il y a vraiment pas mal de choses à faire dessus, autant sur l'un que sur l'autre, mais quand même Adobe Premiere Pro a pas mal, a plus de choses à faire. On peut faire bien plus de choses sur Adobe Premiere Pro Camtasia, voilà. Sauf que le seul petit défaut de Camtasia, on va dire que c'est... c'est pas Camtasia. Adobe Premiere Pro, je veux dire. Les vidéos sont très grosses, très volumineuses. Et c'est un peu dommage parce que là, en gros, en ce moment, depuis que j'ai commencé à utiliser Adobe Premiere Pro... Déjà, il y a plus de montage, il y a plus de précision dans ce que je fais. Je sais pas si... dites-moi dans les commentaires, confirmez ou pas ce que je viens de dire. Il y a plus de précision dans ce que je fais, déjà. C'est pas seulement par rapport à ça. C'est plus fluide. Certes, les rendus sont un petit peu plus longs. Ça dure 1 à 2 heures de plus, maximum. Mais après, on va dire que voilà, il y a... toujours vraiment un petit truc précis et tout, et c'est vrai que les vidéos sont vachement plus lourdes, donc ce qui fait que ça donne vachement plus de temps pour aller sur YouTube, parce que là en gros avant je mettais 1h30 à les mettre sur YouTube, et là je mets entre 4h30 5h pour les mettre sur YouTube. Donc je vous dis clairement que ça fait ça fait une sacrée perte de temps pour mettre les vidéos sur YouTube. Pas contre vous, parce que j'adore le faire, mais surtout contre moi-même, on va dire. Mais bientôt, normalement d'ici demain ou après-demain, donc c'est-à-dire mercredi normalement, donc aujourd'hui, parce que c'est vrai que cette vidéo, je suis censé la mettre mercredi. Ou je sais pas encore. Normalement, c'est mercredi que je la mets en ligne. Donc normalement, je dois avoir la fibre aujourd'hui. Le jour où je publie cette vidéo, parce que en gros, ou un autre jour, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo mercredi. Bon, donc voilà. Après, c'est pour dire à toi, King Kong Simulator aussi, je vais te le dire. Je vais te le dire maintenant. Je vais essayer de faire tout ce qu'il faut. Je dis bien, je vais essayer. Je te promets pas. À 100%, oh, il est pas mal ce truc en plus. Je crois que c'est un des camions, des futurs camions que je vais tester. Oui, je sais, mon client voudrait que je livre mon camion à l'heure. Mais je crois que je suis dans l'heure en plus. Hein. Je suis bon. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire, donc voilà, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. King Kong Simulator. Donc, attends, si tu me regardes, donc laisse-moi un petit commentaire. De me dire si t'es chaud. Peut-être qu'on commencera jeudi. L'Odyssée jeudi après-midi, mais par contre je ne la publierai que mercredi, voilà. Donc j'essaierai de faire tout en œuvre pour me mettre la semaine prochaine à faire l'Odyssée. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez une destination en tête qui vous plairait bien. Je serai sûr
Connard, on doute pas par la droite, salaud. Pour me dire si vous avez une destination qui vous plaît plus ou moins, qui vous plaît plus ou moins. Par exemple, vous voudriez, je sais pas, aller pas en Russie, c'est pas possible. Aller, où c'est que je peux aller? En Pologne ou, je sais plus si on peut aller au Danemark avec la TSM, je crois pas. Hein. Aller, je sais pas, en Angleterre, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'y suis déjà allé. Par contre, là, si on le fait, déjà, ce sera nous deux. Hein. Donc, tu te reconnaîtras, King Kong. Déjà, je trouve ton intro pourri, je le dis clairement. Prends pas ça contre toi, mais bon, t'as des goûts de chiottes. À part en musique, si ta musique est pas trop mal, mais voilà, ton intro, c'est de la chiotte, quoi. Voilà. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Y a pas grand chose. Bon, il y a un peu de travail quand même. T'as fait un peu de travail dessus, je le dis pas. Je vais comparer par rapport à la mienne. Même si moi j'ai utilisé bien plus de logiciels que toi, certainement. Avec le peu de logiciels que j'ai utilisé, j'ai quand même. J'ai quand même dû passer 4 ou 5 heures dessus. Et voilà. Après, je dis pas que c'est moche, que c'est nul, voilà. Ah si, je le dis. Mais voilà, voilà, en gros, je dis ce que je pense. Ton intro est nul à chier. Par contre, ta musique est pas trop mal, je le dis. Je le dis. Voilà. Donc après, donc la semaine prochaine, on commencera peut-être l'Odyssée, on verra. Je vais essayer de faire ce que je peux pour la commencer la semaine prochaine. Et on verra ce qu'on peut faire. Donc n'hésitez pas à me dire... ce que vous pensez, ce que vous voudriez voir en plus, si vous voudriez avoir une petite nouveauté par rapport à celui de la dernière fois. Déjà, je pense que je vais pouvoir en mettre pas mal. Déjà, par exemple, je suis trop bon plutôt. Ah non, non, il me semblait pas m'avoir pris la prune, mais si en fait. Allez, bloque pas, connasse. Excusez-moi pour cette petite vulgarité. Ok, ok. Ah, faut savoir, toi, t'es là, t'es pas là, t'es où, t'es comment. Bon, là, je suis en train d'essayer de faire une autre chanson, là, mais bon, ça passe pas bien. Donc voilà, c'est vrai que je suis jamais encore allé à Calais pour l'instant. Donc on va aller, bon là je suis en train de monter sur le rond-point, c'est pas très bon. Bon là ça rame à mort. Aïe aïe aïe. Mais ça rame grave. Ça rame sa mère. Non, 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 non. Eh, camion de merde. Et en plus j'ai envie de dormir, j'ai l'impression. Mais t'es un connard toi. Excusez-moi. Ça m'énerve là en fait parce que vous voyez le bus qu'il y a derrière. En gros, il aurait dû s'arrêter 2 mètres avant et puis s'arrête là où il s'est arrêté, quoi, dans mon cul, parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais vous, dites-moi par exemple, pour ceux qui ont le permis, bien sûr, est-ce que vous, quand vous êtes. Ah voilà, j'ai découvert Calais, c'est génial. Quand vous êtes, quand vous êtes au volant, est-ce que vous vous arrêtez en plein milieu du rond-point? Je sais pas, parce que là, ce que je viens de voir là. C'est que le gars, je serais sorti une seconde avant, j'aurais pas eu la priorité déjà d'une, donc j'aurais dû m'arrêter en moi en plein milieu du rond-point. Et de deux, bah il serait passé quoi. Je sais pas, mais là il y a un non-respect du code de la route et ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas, ça me fait chier. Et puis voilà, c'est tout. Donc là on est arrivé à Calais. Oh, une petite vidéo de 30 minutes, c'est pas mal du tout. Bon, avec un PC plus fluide, je pense que j'aurais pu faire une vidéo de 20 minutes. Un PC plus fluide et un volant aussi super et tout. Et j'ai l'impression que mon chauffeur veut dormir. Faites-moi voir ça. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Mais ta gueule! Ouais, c'est ça. Mon chauffeur veut dormir. Donc aussi, il y a un nouveau truc que j'ai téléchargé.
Mais je sais pas trop ce que c'est en fait. C'est soi-disant un nouveau service. Donc est-ce qu'on peut aller au drive sur ETS2? Je sais rien. Parce que c'est un... Je sais rien. Franchement, je vous dis clairement, je ne sais rien. Je sais juste que c'est un nouveau service. Je pense que c'est pour réparer des camions. Ça ressemble à un truc de burger, on va dire. Mais c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu, la petite intro qu'il y avait au début, j'espère que ça vous a plu. En gros, ça ressemble un peu à l'intro qu'a fait King Kong Simulator sur sa chaîne, n'hésitez pas à le voir, c'est à droite sur la page d'accueil de ma chaîne, ouais, à droite, donc dans la liste où il y a marqué collabo, hein. Donc on a trouvé les mannes, ok, non, là on va tout droit. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses qui étaient plus ou moins intéressantes. Ah non, non, c'est bien là, hein. C'est bien sur le côté. C'est bien ici, il me semblait pas que c'était là, mais ici en fait c'est bien ici. Donc voilà, c'est bientôt la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez ces deux vidéos là, on va pouvoir continuer ensemble, tant que possible. Peut-être commencer un peu les streams. Quand je dis commencer un peu les streams, ça veut dire de temps en temps, peut-être le mercredi après-midi ou je sais pas quand, on verra. Parce que voilà, c'est vrai que voilà, j'aimerais bien essayer de faire des streams. J'ai peut-être commencé sur Facebook et sur YouTube et après voir sur Twitch ou une autre chaîne ou une autre plateforme, on va dire. Parce que quand j'aurai la fibre, ce sera plus ou moins intéressant, on va dire. Donc voilà. Après, donc voilà. Je vous dis pas après, donc voilà, à chaque fois, mais voilà. Ou voilà tout court. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. J'ai plutôt un intérêt assez bien en fait. J'aime bien faire des vidéos, c'est plutôt intéressant et tout. On a vraiment. What the fuck? Ouah, ça a passé un poil de cul, je pense que l'autre il devait faire dans son frac dans sa voiture. Donc voilà, on voit clairement quand même que le camion il a de la patate parce que là en gros il est en train de tirer la remorque derrière qui frotte contre la barrière. D'ailleurs je suis pas, ma vue est pas comme il faut là. Ah si, c'est bizarre, c'est ma vue est comme il faut quand même, mais bon. Donc on va faire, oui je sais t'as envie de faire la sieste, merci, arrête de bip 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 bip. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt. Moi je trouve que c'est. Ah, en plus on transportait un tank. Ah, je savais pas. Donc je vais apprendre aussi un truc à mon poteau King Kong Simulator. Regarde comment on fait. Bon, là je l'ai mal fait, mais je vais le faire quand même. Je vais le finir quand même plutôt. Oh merde. Ah, j'ai fait. J'ai fait pas beaucoup de dégâts, on va dire. J'ai fait 3% de dégâts. Normalement ma remorque, il me semble qu'elle a que dalle. Non, si je me trompe pas, elle a pas de dégâts ou peu, très peu, elle doit peut-être avoir 1%. Tac tac tac. Non, elle a pas de dégâts du tout. Je suis vraiment très mal parti en fait. Je m'en rends compte là que je suis vraiment très mal parti. Bon, je sais, j'ai compris, merci d'arrêter de biper. Donc là, on va reculer pour se mettre dans la plat place. Donc voilà, hop. On va se mettre un peu comme ça en travers là. En vue parce qu'il me faut que je voie quand même un peu des deux côtés, on va dire.
Et oh putain, je suis mal carré. Oh, c'est pas top, c'est pas top. C'est pas top du tout. Merde, c'est dans l'eau. Donc on va réavancer un peu. Parce que c'est... Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour éviter de vous emmerder, on va dire. Mais bon, il y aura de la musique plus ou moins intéressante. Non, c'est dans l'autre sens, du tout. Hop, allez. Ah merde, je suis en neutre. Donc voilà, on va essayer quand même de faire une jolie vidéo qui soit pas mal du tout. Donc, j'espère franchement que ça vous plaît. Je vais peut-être essayer de reprendre un peu aussi le thème les skins à thème plutôt. C'était plutôt intéressant, je trouve. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Bon, pas top top, mais bon, ça suffira. Je pense. Ça suffit pas? Oh merde. Tac. Là, on va aller dans l'autre sens. Tout ce que je veux, c'est redresser un peu le camtar. Ah, on est bon, on est bon, on est bon. Ah merde. Tac, allez, on est bon. Là, excusez-moi, j'ai peut-être pu aller un peu trop loin. Ah, on est pas mal du tout. Bon, oh, pas mal du tout même. Donc voilà, on a fait une petite temps de transport 8 heures. Eh ben putain, ça fait mal, hein. Ou je pense aussi ça fait mal. Fouah! Donc voilà, on s'est fait cette jolie. Oh, pardon, excusez-moi. Cette jolie petite vidéo que je trouve très intéressante. Donc je vous ai pas montré encore le camion. Donc le voilà, qui est très sympathique. Je vais vous le montrer dans le jeu. Ce sera plus intéressant peut-être. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, il y a même une petite lumière qui s'allume. Oh, c'est bien, c'est bien. Oh, on a même une pelle et un balai. Donc franchement, je le trouve assez joli. Voilà, regardez, il est vraiment... Donc on a pas tant de choix que ça. Donc voilà, regardez, il est vraiment très très bien. On a pas mal de choses, pas mal de personnalisation et tout. Donc voilà. Et comme vous voyez, il y a la fumée qui sort des pots. C'est assez sympathique. Voilà. Donc on va se quitter sur ce très joli Peterbilt. Et on se dit à la prochaine. Peut-être dans un Odyssey, peut-être pas. Il y a de grandes chances que oui, mais bon, pour l'instant, c'est très mitigé. Merde. Merde. Qu'est-ce que je fais comme connerie, moi? Donc pour l'instant, c'est très mitigé. Il y a de grandes chances que ça se passe la semaine prochaine. Donc bah, excusez-moi pour le petit blanc qu'il y a eu tout à l'heure. J'étais en train de réfléchir. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Et moi, je vous dis à plus. Ciao!